Alors, j'utilise un crochet 4 pour le bonnet et pour les côtes. Vous pouvez en prendre un 3,5 si vous voulez hein, pour les côtes. Hein. Mais moi, je voulais souple pour une fois. Vous pouvez prendre jusqu'à 4,5 le crochet. Hein. En dessous, après, je ne sais pas si ça va aller. Alors, hein, alors, on fait un cercle magique. Sinon, vous pouvez faire 4, 5 mailles en l'air, hein, c'est pareil. Hein. Une, deux, trois. Les trois mailles en l'air équivaut à la première bride. Et à l'intérieur, on va mettre 11 brides. Avec les trois mailles en l'air, ça fera 12. Vous allez faire donc 12 brides à l'intérieur. 2. 4, 5, 6. J'ai fait mes 11 brides plus les 3 mailles en l'air équivaut à 12. Je resserre et on va fermer avec une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. Vous allez voir, il est vraiment simple, hein. Peu importe, là ou là, peu importe. Ici, vous allez envelopper la première bride par devant et faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air, équivaut à la première bride en relief par devant. Sur cette même bride, vous allez en faire une deuxième. Par contre, là, on ne va pas faire une bride normale, on va faire une bride allongée. Donc, on va sortir une fois le jeté, deux fois, trois fois. Bride suivante. Une fois, deux fois, trois fois. Sur la même bride, on va faire une autre bride dessus. Ce que vous allez faire à chaque fois deux brides en relief sur chaque bride. À chaque fois, on va faire deux brides sur chaque bride. Ça fait qu'en tout, on aura 24. 24 brides en relief, soit 12 groupes de 2 brides en relief. Vous voyez, à chaque fois, sur chaque bride, vous en faites 2. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc une, et au même endroit, on en fait deux. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé le tour. Vous voyez, à chaque fois, on a des groupes de deux brides en relief sur chaque bride. On en a en tout 24. On va fermer à la troisième maille en l'air. Le départ avec une maille coulée. Maintenant, on a fait nos trois mailles en l'air de départ. On va l'envelopper, pareil, une maille serrée et une, deux, trois mailles en l'air, équivaut à la première bride en relief. La seconde, on va faire pareil. On va l'en faire en relief avec un peu plus long, comme ceci. Ce qu'on va faire, on va travailler entre chaque, on a chaque fois double bride à chaque fois, on va travailler entre chaque. Au milieu ici, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Là, on a nos brides en relief. Là, c'est toujours la même chose. Vous allez toujours faire tout le long du béret des brides en relief, toujours même endroit, toujours pareil, toujours à cet endroit, l'une sur l'autre. Là on a un groupe de deux, là on a un groupe de deux. Entre les deux, on va faire une bride, une maille en l'air,
et une bride au même endroit. Vous voyez, ça fait qu'à chaque fois, on a un groupe de deux brides en relief, un V, deux brides en relief, un V. On continue, on enveloppe les brides en relief à côté. Donc une et deux. Oh, je me suis trompée en plus, excusez-moi. Faut pas que je prenne, voilà. Si je me trompe, ça va pas le faire. Donc nos deux brides en relief. Juste avant le groupe des deux autres, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Là, on a nos deux groupes. On fait nos deux brides en relief. Ici. Là, on a fait les deux brides en relief. Là, nos deux autres groupes entre les deux ici. On va faire notre V. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Groupe en relief. Donc les deux brides à chaque fois. Oui, c'est toujours la même chose. Et après, avant le groupe des deux autres, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride en trois. Et là, les brides en relief prises par devant. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Deux brides en relief, un V. Deux brides en relief, un V. Deux brides en relief, un V, et vous faites ça tout le tour. Je suis à la fin. Et avant, entre les deux, je vais faire un V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on va faire une maille coulée à troisième maille en l'air de départ. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre en plus gros, vous verrez mieux. Alors en tout, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 rayons et ensuite vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Entre les deux. Donc en tout, vous avez 12 morceaux comme ça et 12 rayures. Maintenant, ça va être encore plus simple, vous allez voir. On va travailler qu'à l'intérieur des V. Bon, là, on va continuer nos brides en relief tout le long du travail. Donc, une maille en l'air, une, deux. Une maille ici, une maille en l'air. Là. Comme ceci. Là, ce sera toujours pareil. Maintenant, on va travailler qu'à cet endroit. On va travailler que dans les V maintenant. À chaque fois, vous allez faire à l'intérieur des V et directement les brides en relief. Donc, le V ici, à l'intérieur, on va faire une bride. Deux brides. Deux mailles en l'air. Et deux brides au même endroit. Une. Et deux. Directement, vous voyez là, directement les V, enfin les grandes brides, directement en relief à côté. Donc là, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. Là, on a un V à l'intérieur, on fait une bride. Deux brides, deux mailles en l'air et deux brides au même endroit. Directement les brides en relief.
On va travailler, comme je dis, toujours dans les V. Hein. Comme ceci. Là, on a un V. On va faire une bride. Deux brides. Deux mailles en l'air. Et deux brides dans l'endroit. Vous voyez, c'est pas compliqué. On va agrandir simplement à ce niveau-là. Donc les augmentations se feront au niveau des V. Le reste, on ne touche pas. C'est toujours la même chose. Vous voyez, voilà ce que ça donne. J'ai fini mon rang. Et là, à l'intérieur, je termine par mon groupe de deux brides, deux mailles en l'air et deux brides au même endroit. Une et deux. Et là, on ferme par une maille coulée à troisième maille en l'air de départ. Et là, on recommence. On enveloppe la première bride en l'air. Voilà ce que ça fait. Hein. Et une, deux, trois mailles en l'air. Et toujours équivaut la première bride en relief. La seconde en relief. Je vous ai fait un petit schéma après, vous verrez. Comme ça, vous ne perdrez pas. Ici. Et à l'intérieur, vous allez recommencer par contre la même chose. Deux brides, deux mailles en l'air. Deux brides au même endroit. Donc ça, on va faire un tour complet comme le rang précédent. De deux brides, deux mailles en l'air et deux brides. Vous voyez, ce rang ici, c'est le même que l'autre d'avant. Et maintenant, je vous montrer avec un schéma pour continuer la suite. Alors, le schéma pour la suite. On a fait ces deux rangs. Donc, deux brides, deux manières de brides. On a fait deux rangs pareils. Le rang suivant, vous faites exactement la même chose, sauf qu'à l'intérieur, vous allez faire trois brides, deux mailles en l'air, trois brides. Vous allez faire deux rangs pareils. Ensuite, le rang suivant, vous allez faire 4 brides à l'intérieur. 4 à l'intérieur, 4, 4, vous voyez. 4 brides, 2 mailles, 4 brides. Vous allez faire 3 fois ça. Ensuite, on arrive à la fin. À l'intérieur, 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. Vous allez faire 2 fois. Et le dernier tour, vous allez faire exactement la même chose, mais à la fin, vous allez faire qu'une maille en l'air au milieu au lieu de deux. Ça va donner à rétrécir et comme ça, on pourra faire le rang de bride pour faire la diminution pour pouvoir faire les côtes élastiques. Voilà, je vous montre. Oui, c'est facile. Hop. Alors, si vous voulez faire pour un enfant, vous enlevez évidemment les deux rangs de bride ici et vous arrêtez ici. Vous en faites que le cinquième et c'est tout. Et pour les bébés, je sais, j'ai pas mesuré. Hein. Vous pouvez faire, ça va faire petit après. Hein. C'est à vous de mesurer. De toute façon, je vais faire des recherches. De toute façon, pour les tours de tête, je vous mettrai en commentaire, en descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir dessous. Hein. Voilà. Je vous laisse terminer et on se retrouve pour la suite. Alors vous voyez que tous les rangs que j'ai fait, que je vous ai montrés, vous voyez, ça se referme naturellement. Et maintenant, on va faire notre bordure. Donc j'ai terminé le rang par une maille coulée. Et maintenant, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Ensuite, on va sauter la première, on va dans la seconde. On fait une bride. On saute une,
On va dans la suivante. On saute une, on se trouve au milieu, où il y avait la maille en l'air. Une bride. On saute une, on va dans la suivante. On saute une, on va dans la suivante. Ça, c'est pour faire les diminutions, hein, pour que ça se referme bien. On saute une, on va dans la suivante. On saute une, on va dans la suivante. On saute une. Et vous allez faire ça, donc, tout le tour. On saute une. À chaque fois, on saute une maille. Comme ceci. Et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin. Même si ça tombe pas juste, hein, c'est pas grave du tout. Hein. Voilà. Et là, on fait une maille coulée, donc, à la troisième maille en l'air de départ. Ça fait que, vous voyez, ça donne à bien rétrécir au milieu. Maintenant, on va faire le rang en bord-côte. Alors là, ici, la première, là. On va faire une maille serrée comme ceci et une, deux, trois mailles en l'air. Donc ça fait qu'elle se trouve en relief. La bride ici, on va la faire en relief par derrière. La suivante, en relief par devant. La suivante, en relief par derrière. La suivante, par l'avant. Vous allez faire ça tout le tour. Je suis arrivée à la fin. Alors pour vos côtes, si vous ne tombez pas juste, hein, si des fois vous trouvez avec deux brides en relief par devant, vous mettez par exemple, là par exemple, vous tombez sur une bride en relief devant, par devant, au lieu que ce soit à l'arrière. Vous mettez une bride entre les deux, vous faites une bride entre les deux et vous fermez. Comme ça, sur le rang d'après, vous tomberez juste. Vous n'aurez plus qu'à crocheter la bride en relief pour tomber juste. J'espère que je me suis fait comprendre. En fait, vous rajoutez une bride pour arriver juste. Une bride normale. Hein. Alors, la maille coulée ici, à la dernière. Là, c'est pareil. On va faire une maille serrée par devant. Et une, deux, trois mailles en l'air. Là maintenant, on suit les brides en relief. Là, se trouve derrière. On va la prendre en relief par derrière. Celle-ci devant, on va la prendre par devant. Là, on la prend par derrière. Et là, on la prend par devant. Par derrière, par devant. Et vous faites le tour et vous raccrochez à la fin du rang. Ici. Et vous recommencez à chaque fois pareil. À chaque fois, bride sur bride, en relief devant à chaque fois. Comme ça se présente. Donc devant, devant, derrière, derrière. Et là, vous essayez sur votre tête. Si au bout d'un certain moment donné, par exemple, au 3 cm, vous trouvez vraiment trop grand par rapport à votre tête, vous changez de crochet et vous en prenez un plus petit pour resserrer. Allez, je vais faire quelques rangs et on se retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai terminé les côtes. Alors pour ma part, avec le même crochet, hein. Je n'ai pas précisé. J'ai gardé mon crochet 4. J'en ai fait 5 cm. 5 cm de côte. Vous pouvez en faire plus, hein, si vous qui voyez. Hein. Et donc, voilà ce que ça donne. Il est bien souple, hein, pas trop serré.
Comme je dis, en cours de route, si vous trouvez trop large, trop grand, vous pouvez prendre un crochet plus petit quand vous avez fait quelques rangs de... Quand vous avez fait vos quelques rangs, vous pourrez un crochet plus petit pour resserrer. Donc voilà ce que ça donne, ce très joli béret. Alors, ce petit papa est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'aller en commentaire sous la vidéo. J'ajoute toujours des choses, des liens pour les tailles, tout ça. Hein. Les liens pour le groupe, pour partager vos créations, etc., etc. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!